Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ces premières rencontres de la médiathèque de l'année 2022, après une période qui a été un peu compliquée, puisque l'année dernière, les restrictions budgétaires, intéressant comme lapsus, les restrictions sanitaires. Ça y est, ça commence. On avait dit que ça ne se passerait pas comme ça devait se passer. Donc les restrictions sanitaires ont fait que la salle a dû être un petit peu inoccupé, à notre grand regret et, d'après ce qu'on a entendu, au grand regret aussi du public. Donc c'est notre rentrée à nous. Pour le coup, on est ravis d'accueillir un conférencier tout à fait sémillant, même s'il est un petit peu moins qu'il y a 6 ans exactement, parce qu'il me rappelait qu'il était déjà intervenu ici un 24 mars. Donc est-ce un hasard, est-ce un complot ou finalement son goût pour les chiffres, la rigueur dans les chiffres, je ne sais pas. En tout cas, il y a 6 ans, ici même, il proposait, on va dire, juste après avoir soutenu sa thèse, le fruit de son travail, avec déjà à l'époque une photographie de Pierre-Alain Pons. Voilà, photographe connu de son état. Donc celle-ci est tout à fait sympathique aussi. Alors depuis, il a fait du chemin. Alors déjà, il a fait tomber sa cravate. Il s'est un petit peu aguerri, puis surtout, il est devenu, vous l'aurez noté, un expert sollicité dans les médias, entre autres. Donc, peut-être que vous verrez, et ceux qui ont eu la chance d'assister à une conférence qui était déjà de qualité à l'époque, de juger aujourd'hui, de l'avancée de son travail ou de sa personnalité. Alors, j'aurais pensé que vous seriez plus nombreux, en tout cas, j'aurais aimé, mais je suis ravi que vous soyez là. Il se trouve qu'en face, ce soir, à l'université, il y a un ciné-débat autour du changement climatique. Alors vous avez préféré le changement politique. Donc, merci pour ce choix. Donc, vous l'avez vu, il sera question de géographie électorale ce soir. Alors, peut-être avec des données que vous avez déjà en tête, de manière partielle, mais vous verrez ce soir qu'avec l'avalanche de cartes, de graphiques, les choses sont assez claires dans ce que voudra démontrer en toute neutralité ce soir Pierre-Christophe. Il sera évidemment question de la réalité des scrutins, comme il a été dit dans les nouvelles, face à ce pari de l'intelligence, mais c'est lui qui l'expliquera bien mieux que moi, puisque c'est son domaine. Alors pour les personnes qui ne sont pas là ce soir, je voulais rappeler que la conférence, elle est évidemment enregistrée, alors qu'elle sera disponible très rapidement en audio sur notre catalogue de la médiathèque, et un petit peu plus tard sur la chaîne Caledonia. Donc on a la chance d'avoir la chaîne avec nous ce soir. Donc on les remercie de ce partenariat, mais c'est eux qui choisiront la date de diffusion, à la fois sur leur antenne télé et puis ensuite sur leur chaîne YouTube. Et puisqu'on parle de chaîne YouTube, vous avez peut-être pris connaissance de la création de la chaîne YouTube du Centre culturel Chibaou, avec, entre autres choses aussi, la diffusion qui va être régulière des 200 conférences qui ont pu se dérouler, alors pas que en salle CCA, en Caseman ou autre, depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc il y a un choix extrêmement varié. Les choses sont diffusées au fur et à mesure. Et ces conférences, je le rappelle, sont toujours l'opportunité pour nous, évidemment, pour le public de faire connaissance avec un conférencier, mais d'aller un petit peu plus loin dans la documentation, puisque le principe est celui-là. Il y a cette rencontre de ce soir, et puis on l'espère toujours, une continuité dans ce qui intéresse les gens au sein de la médiathèque, qui, je le rappelle, donc se situe dans les cases 5 et 6, à peu près au milieu du centre, et qui est ouvert du mardi au dimanche. Donc, pour tout type de documentation qui a trait à Nouvelle-Calédonie et au Pacifique, on l'oublie parfois, on a des choses qui concernent tous les supports et parfois des documents qui sont particulièrement recherchés. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Je voulais juste rappeler, évidemment, même si c'est une évidence, qu'au terme de cette conférence, vous pourrez débattre, peut-être malmener le conférencier. Enfin, c'est à vous de juger. Et il y aura de part et d'autre de la salle un micro pour que tout le monde puisse vous entendre et que tout ça soit enregistré, évidemment. Encore une fois, merci beaucoup
d'être là, c'est une vraie satisfaction pour nous parce que les choses donnent enfin l'impression de redémarrer. À tout à l'heure. Alors bonjour à tous. Comme le veut l'usage souvent et en particulier dans ce lieu, permettez-moi de vous dire que c'est avec respect, humilité et reconnaissance que je me présente ce soir devant vous. Tout d'abord respect, car le sens de mon propos est d'essayer de rester neutre et de tendre vers une certaine objectivité sans nécessairement stigmatiser un camp au détriment d'un autre. Ça a le mérite quand même d'être rappelé. Il n'est pas inutile de préciser que cette conférence ne milite ni pour le non ni pour le oui à l'indépendance. Humilité, car bien évidemment je ne prétends pas tout savoir et j'accepte volontiers la critique. Je serai sincèrement heureux de pouvoir débattre avec vous au terme de cette présentation. Et enfin reconnaissance, parce que reconnaissance envers le Centre culturel Chibaou de pouvoir faire cette conférence dans un tel lieu, une reconnaissance et un privilège que vous m'offrez aujourd'hui d'ouvrir ce cycle de conférences annuelles de la médiathèque après de longs mois, comme ça a été rappelé par Manu, de restrictions sanitaires. Alors un signe qui me touche également tout particulièrement, c'est qu'il y a 6 ans, effectivement, un sémillant docteur, et ça je laisse l'expression à Manu, se présenter devant vous pour vous présenter un petit peu ses travaux en matière de géopolitique des territoires kanak. C'était un 24 mars également, à 18h. Et donc c'est avec une certaine émotion non dissimulée qu'aujourd'hui je peux vous m'offrir en tout cas cette possibilité de pouvoir vous exposer mon travail. Merci encore. Et également, merci à vous d'être venu, de vous être déplacé en semaine. Je sais que souvent, ce n'est pas si simple par rapport aux obligations des uns et des autres. Merci en tout cas de me faire l'honneur d'être là ce soir. Alors, comme cela a été précisé par Manu, effectivement, je suis docteur en géographie et je suis spécialisé en géopolitique. Alors, je pense que pour ceux qui me suivent un petit peu, je l'ai précisé déjà dans certains médias, la géopolitique, ce n'est pas uniquement l'étude des relations internationales, des conflits internationaux, comme aujourd'hui on en a bien besoin avec ce qui se passe notamment en Ukraine. C'est une discipline, la géopolitique, qui consiste, et là je reprends les termes de Yves Lacoste, à étudier les rivalités de pouvoir à la fois sur un territoire et souvent par la conquête d'un territoire. Et finalement, quoi de mieux que les élections pour accroître son influence sur un territoire? Et quand j'ai soutenu ma thèse fin 2015 et que j'ai fait cette conférence, donc début 2016, on se situait finalement dans la dernière ligne droite, avant la succession des référendums. Et c'est la raison pour laquelle, depuis cette période-là, j'ai prêté une attention toute particulière à cette discipline qu'est la géographie électorale, qui est donc issue, vous l'avez compris, de la géographie politique, et que l'on peut définir assez facilement comme la discipline qui étudie les comportements électoraux à travers leur dynamique spatiale. Alors, afin de mieux comprendre cette période cruciale et d'en saisir les tenants et les aboutissants, rappelons juste un petit détail qui a quand même son importance, que nous sommes aujourd'hui en mars 2022, et depuis une période de 6 années, eh bien, on a été particulièrement gâtés en matière d'élections. On a eu une élection présidentielle, une élection législative, une élection sénatoriale, une élection européenne, une élection municipale, 3 référendums, une élection provinciale, et à l'heure où je vous parle, on n'en a pas encore fini. On a une élection présidentielle et législative qui se profile, un référendum, un quatrième référendum lié à la revendication indépendantiste, mais également un éventuel référendum de projet qui est prévu par l'État. On n'est donc pas encore fini avec ces questions électorales. Donc tout ça pour dire que finalement, eh bien, depuis 2017, on n'a pas eu d'année blanche en matière d'élection. Chaque année, on a eu 1, voire 2 scrutins. Et pour conjurer finalement cette indigestion, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, au cours de l'heure à venir, et j'espère que vous serez aussi intéressés par ce que je vais vous dire que moi, c'est de parcourir telle une odyssée électorale, ce que je vous propose dans les différentes cartes que je vais vous proposer. En tout cas, une sélection. Elles n'y sont pas tous, mais effectivement, face à pléthore d'élections, il m'est semblé intéressant, finalement, de pouvoir traduire, finalement, sous un angle géographique, cet objet d'étude que constituent les élections. Alors, les 3 principales questions auxquelles cette conférence va tenter de répondre ce soir, c'est déjà, dans un premier temps, quelles sont les grandes tendances, les grands principes qu'on peut retenir au terme de ces élections.
La deuxième question, et je pense que c'est assez clair, c'est en quoi les référendums aujourd'hui ont-ils bousculé les lignes politiques et en quoi ils permettent d'y voir plus clair, ou peut-être plus sombre? On pourra en discuter. Et enfin, on ne pourra pas également faire l'économie de revenir sur la situation aujourd'hui du troisième référendum, qui est marqué par une forte abstention et un appel à la non-participation des partis indépendantistes, en se posant la question sans tabou, c'est en quoi les référendums, et pas seulement le dernier, constituent une impasse pour l'avenir politique de notre archipel. Car aujourd'hui, c'est bien ce mot-clé que j'ai choisi d'utiliser pour intituler cette conférence, l'impasse, que le Larousse a défini simplement comme la situation qui paraît n'offrir aucune issue favorable. On pourra toujours débattre s'il y a une possibilité d'avoir une issue favorable, mais sans prendre parti évidemment pour ou contre l'indépendance. Alors pour tenter d'apporter une réponse à cette question, on s'interrogera donc dans un premier temps sur les grands enseignements que nous apporte la géographie électorale, et vous verrez, je spoil un petit peu comme on dit, ce que vous verrez, c'est que eh bien, depuis une trentaine d'années, eh bien, les cartes qu'on peut réaliser sur les élections, eh bien, elles sont sensiblement les mêmes. Et c'est ce que j'appelle, ce qu'on appelle plutôt en géopolitique, les tendances lourdes, vraiment quelque chose qui structure le paysage politique. Et on voit qu'il y a une forme de récurrence, de cristallisation aujourd'hui de la géographie électorale, et c'est ce que je vous propose de vous présenter dans un premier temps. Dans un deuxième temps également, voir que s'il y a cette constance dans les résultats électoraux, les référendums nous ont apporté également des choses qui ont été sensiblement différentes. On va essayer de tenter d'analyser un petit peu cette évolution, cette progression du score indépendantiste, il faut le dire, entre le premier et le deuxième référendum, mais également cette tendance à l'abstention sur le troisième référendum. Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, ça sera l'objet de ma troisième partie, voir si finalement ce troisième référendum, qu'on dit inanalysable, est-ce qu'il est si inutilisable que ça, ou si au contraire il peut s'inscrire dans la continuité des deux précédents référendums. Et ce qui sera donc finalement l'objet de cette conférence, ça sera à la lumière des analyses cartographiques que je vais vous proposer, si vous m'autorisez l'expression, ça sera d'analyser d'un point de vue géographique la situation ainsi créée, afin de savoir si le terme d'impasse que je vous propose ce soir n'est pas galvaudé. Donc la première tendance, je vais revenir donc sur ces principales tendances lourdes. Alors évidemment, pour certains, ça va être un petit peu un bis repetita, mais je pense que des fois, il faut finalement, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de revenir sur ces grandes tendances pour qu'on puisse après avoir vraiment un cadre de fond pour aborder cette question électorale. Alors, un petit rapide retour en arrière. Ce que j'ai fait pendant ma thèse de doctorat, alors vous inquiétez pas, ça n'a pas duré 3 heures, mais je pensais qu'il était nécessaire de rappeler un petit peu ces éléments-là, un rapide retour historique, en rappelant, et c'est des choses que vous savez évidemment, c'est que jusqu'en 1946, on avait le régime de l'indigénat, dans lequel il n'y avait pas aujourd'hui, les Kanaks n'avaient pas accès à la citoyenneté, donc n'avaient pas accès au droit de vote. Il aura fallu attendre 1956, pour que les Kanaks aient progressivement l'obtention du droit de vote. Et aujourd'hui, on constate tout simplement, 75 ans après, qu'à travers cette arène électorale, à travers cet outil que constituent les élections, aujourd'hui, les Kanaks ont gagné une place majeure dans le système démocratique calédonien. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est pas la palissade de le dire, mais historiquement, aujourd'hui, cette progression de la représentativité kanak dans les institutions, elle a été essentiellement portée par les mouvements indépendantistes, qui sont avant tout des partis de libération kanak. Donc, ce n'est pas non plus anormal de dire qu'aujourd'hui, le vote indépendantiste est porté essentiellement par des partis constitués évidemment de kanak, à la fois concernant l'électorat, mais également les élus. Et je montre également quelques chiffres pour étayer mes propos. Tout d'abord, la collectivité que constituent les municipalités. On se rend bien compte de cette progression, de cette reconquête, d'une certaine manière, de ce qu'on appelle les territoires électoraux par les Kanaks. Juste rappeler qu'en 1967, il y avait 12 maires Kanaks. Eh bien, ce chiffre a presque été doublé aujourd'hui, en 2020. Il y a deux tiers des communes
qui sont dirigées par un maire Kanak. On voit sur la dernière carte sur votre droite, et bien qu'aujourd'hui, les mairies Kanak sont essentiellement alignées selon un axe longitudinal, avec donc des mairies essentiellement sur la côte est, les îles, mais également quelques communes sur la côte ouest, Vauconnet, Pouya. Donc tout simplement, on s'est rendu compte que progressivement, les premiers édiles, à savoir les maires, ont gagné finalement cette image, un petit peu, cette représentativité de leur administré. Mais on voit évidemment que l'arène électorale, et notamment les élections municipales, ont constitué un levier pour pouvoir avoir cette meilleure représentativité, notamment au sein des municipalités. Et puis, pour aller un peu plus loin, puis après, on va arrêter sur cette question, mais rappelez que finalement, cette représentativité kanak, elle ne s'est pas arrêtée qu'aux municipalités. Elle a également gagné une place majoritaire au Congrès. Ils sont donc à la tête de 21 communes sur 33, de 2 provinces sur 3, mais également, voilà, comme j'ai dit, à la majorité des élus Congrès, mais également la présidence du Congrès, la présidence du gouvernement. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a eu une vraie reconquête à travers ces arènes électorales que constituent les élections municipales ou les élections provinciales. À une petite peut-être exception près sur laquelle on pourra débattre, il y a aujourd'hui toujours une forme de sous-représentation des Kanaks dans les conseils municipaux de l'agglomération, mais également en province sud, où on voit que finalement il y a peut-être un autre facteur qui joue sur le positionnement réel, on va dire, de la population Kanak avec l'histoire des procurations. On sait qu'une partie des Kanaks continue de voter aux îles. Et voilà ce qui peut peut-être expliquer en partie le fait qu'ils soient peut-être sous-représentés dans les conseils municipaux et au sein de la province sud. Mais en tout cas, globalement, le bilan, c'est qu'ils ont acquis en près de 75 ans une place fondamentale au sein des collectivités néo-calédoniennes. Bon, donc ça, c'était vraiment le point essentiel de l'enseignement de cette géographie électorale. Le deuxième élément, c'est qu'on a vu qu'on a eu progressivement un taux de participation. On a eu un taux de participation qui a progressé dans ces élections provinciales jusqu'en 2004. On voit que finalement, cette proximité avec les accords de Matignon, puis accords de Nouméa, ont contribué finalement à mobiliser d'une certaine manière l'électorat. Et après 2004, on voit que progressivement, ce taux de participation a eu tendance à décroître. On le voit sur ce graphique, une décroissance qui, on pourra toujours en discuter tout à l'heure, j'y reviendrai, mais peut-être sur une forme, pas de dépolitisation, parce qu'il y a toujours une conscience politique, mais peut-être de faire de la politique autrement d'une partie de la population, autre que par les partis. Et puis évidemment, vous pouvez le voir assez facilement sur cette carte, enfin sur ce graphique, les deux arbres, voire les trois arbres qui cachent un peu la forêt, les deux premiers référendums, ainsi que le troisième référendum, on voit évidemment qu'il constitue une particularité dans la trajectoire assez régulière finalement de cette participation aux élections. Et puis aussi une chose importante, et c'est le deuxième point aujourd'hui, la deuxième tendance lourde de ces élections, c'est que on dispose aujourd'hui, depuis 1956, il est bon quand même de le rappeler, on dispose en Nouvelle-Calédonie de données ethniques au recensement de la population, à l'exception du recensement de 2004, où le président Chirac, de par son intervention, s'était opposé à la collecte des données ethniques. Alors juste pour rappel, dans l'accord de Nouméa, il est précisé que ces recensements ethniques sont un outil finalement du rééquilibrage, pour pouvoir permettre finalement de contribuer au rééquilibrage social, notamment de la population kanak. Et grâce à ces données ethniques, on arrive à avoir ce type de carte qui représente aujourd'hui les grands fondements de la répartition de la population kanak en Nouvelle-Calédonie, à savoir qu'on a évidemment des communes exclusivement kanak, les îles Loyauté, les îles en règle générale, une partie de la côte est, et puis également aujourd'hui une tendance contemporaine qui est qu'aujourd'hui, 40% de la population kanak se situe dans le Grand Nouméa. Ils sont aujourd'hui majoritaires, moins d'un habitant sur quatre est kanak du Grand Nouméa, mais aujourd'hui, une tendance importante de par les mouvements migratoires, c'est que cette population kanak croît de manière importante dans le Grand Nouméa.
en près de 75 ans, c'est quelque chose qui a énormément évolué. Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce qu'à un moment donné m'est venue l'idée de croiser ces données ethniques par commune avec les résultats électoraux. Et on se rend assez facilement compte, finalement, qu'il existe une corrélation quasiment inévitable entre la répartition de la population kanak au dernier recensement de 2019 et une corrélation avec le pourcentage du vote indépendantiste. On a donc pris les données de 2019 et le référendum de 2020. Le taux de corrélation, il est de 0,96. Alors, c'est une donnée mathématique qui veut pas corrélation ne veut pas forcément dire déterminisme, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le fait que le vote indépendantiste s'appuie essentiellement sur une dimension ethnique, géographique, et c'est ce qu'on peut voir à travers ce premier graphique. Alors évidemment, il y a des biais dans cette lecture assez froide, c'est que dans l'électorat du référendum, il n'y a pas toute la population qui est recensée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui est exclue du droit de vote et donc qui ne peut pas rentrer en compte dans le recensement. Donc là, déjà, il y a un premier biais. Mais très clairement, on voit qu'il y a quand même des petites exceptions, et notamment une, celle de l'île des Pins, où on sait que historiquement, il y a un vote non indépendantiste plus important proportionnellement à la population kanak. Mais globalement, on voit que les tendances sont quand même assez importantes. Et surtout, une chose qui est importante, et ça, je pense que je vais vous le répéter tout au long de cette présentation ce soir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un épiphénomène, c'est quelque chose que l'on observe depuis une trentaine d'années. Donc très clairement, aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose qui est anormal, qui sort un petit peu du chapeau, c'est quelque chose, on peut prendre ce graphique et le répéter pour chaque élection provinciale depuis une trentaine d'années. On voit qu'aujourd'hui, le fait ethnique constitue un critère majeur aujourd'hui dans l'orientation électorale. Évidemment, et je le précise pour éviter qu'on ait des débats stériles sur cette question-là, évidemment avec des exceptions, qu'il y a des Kanaks qui votent non indépendantistes et des non-Kanaks qui votent indépendantistes. Le troisième point un peu qui structure aujourd'hui la géographie électorale en Nouvelle-Calédonie, c'est que aujourd'hui, quand on regarde les scores au provincial, quand on compile les scores indépendantistes et non indépendantistes, évidemment, eh bien, on se rend compte d'une certaine forme de constance. On voit que le score, finalement, entre 1999 et 2019, sur les provinciales, n'a pas énormément évolué. Globalement, entre 1999 et 2019, entre deux élections provinciales, on n'a gagné que 2,18 points. Quand on compare avec le référendum, ça n'a gagné que 3 points. Donc finalement, et ça aussi on pourra toujours en débattre, c'est que les sondages qu'il pouvait y avoir avant le premier référendum, eh bien ces sondages-là disaient ben, le score indépendantiste sera aux alentours de 30-35%. Certains responsables politiques non indépendantistes en avaient également fait un argument. Et puis finalement, la surprise, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Dans ce référendum, c'est que finalement, le score du premier référendum était conforme aux projections qu'il y avait depuis une vingtaine d'années sur les résultats électoraux. Donc, c'est ça aussi à quoi sert l'étude un petit peu sur un temps long de ces tendances, de ce rapport de force, c'est de voir qu'il y a une forme de continuité et pas forcément d'une évolution extrêmement forte sur ce temps long. Et puis, on pourra toujours l'évoquer dans nos échanges, mais effectivement, on peut s'interroger sur l'effet qu'ont pu avoir les sondages sur le comportement électoral. Alors, pour faire court, évidemment, en sociologie politique, il y a deux grandes tendances qui peuvent être rappelées. Il y a l'effet underdog effect, excusez-moi pour l'accent, c'est un peu l'effet du challenger, c'est-à-dire que souvent, il y a une partie de l'électorat qui va essayer de soutenir celui qui est un petit peu en berne dans les sondages. On va essayer d'aller le soutenir un petit peu. C'est peut-être ce qui a pu motiver une partie de l'électorat abstentionniste à se mobiliser, en tout cas pour pouvoir faire en sorte de pouvoir déjouer ces sondages qui annonçaient les indépendantistes lourdement perdants. Et puis l'autre effet, qui a peut-être été moins visible pour ce premier référendum, c'était l'effet majoritaire, c'est-à-dire que finalement le vote va être dans le sens un peu de la majorité, un petit peu l'effet de, on peut l'appeler aussi l'effet suiveur,
bandwagon effect, voilà encore désolé pour l'accent, mais un effet qui finalement conforte un peu les majorités, un effet de groupe finalement. Et là, on l'a un peu moins vu finalement pour ce premier référendum où on a senti vraiment une mobilisation de l'électorat indépendantiste qu'on annonçait perdant. Alors ça, c'était évidemment une tendance structurelle dans le vote. Donc par rapport aux données ethniques qu'on a pu mesurer à l'échelle des communes, on a vu un peu ce graphique où on avait croisé avec les données électorales. Eh bien, on se rend compte que finalement, quand on regarde à l'échelle des quartiers, on a également une répartition assez polarisée finalement de la population kanak. Et on voit que finalement, la population kanak, elle est assez centrée sur un cône nord-ouest de la ville de Nouméa, donc les quartiers plus populaires, des quartiers plus industriels, et que finalement il y a une forme de contraste avec les quartiers plus sud, et puis également dans les communes de l'agglomération, on voit qu'il y a également des lieux comme les tribus de Saint-Louis, les tribus de Ndenanuni, Saint-Laurent, Bangou, on voit où également la répartition kanak beaucoup plus fine. Et là, peut-être que vous voyez où je veux en venir. Eh bien, en croisant avec les résultats des bureaux de vote, eh bien, on se rend compte finalement que la première hypothèse qu'on avait pu émettre à l'échelle des communes, eh bien, on la retrouve aussi à l'échelle des quartiers. Globalement, donc, les aplats de couleurs ici représentent la part de la population kanak par quartier, et les cercles bleus correspondent au bureau de vote où on a enregistré les scores indépendantistes les plus importants. Et là, il ne faut pas être devin pour constater que finalement, les bureaux de vote indépendantistes sont situés principalement dans les territoires kanak. Donc essentiellement dans ce que j'ai pu dire, le cône nord-ouest de la ville de Nouméa, les quartiers nord-ouest, mais également dans les tribus de l'agglomération. Donc ce constat, on peut le faire à l'échelle des provinces, à l'échelle des communes, mais également à l'échelle intra-communale. Alors on va un peu aller, comme je vous ai promis, une odyssée par commune, on va aller un peu plus dans le détail. Donc là, par exemple, la commune du Mont-d'Or, eh bien on voit qu'évidemment, tel un nez sur la figure, on voit que le vote indépendantiste est plus important dans la tribu de Saint-Louis, évidemment avec d'autres contrastes sur les autres quartiers. On peut continuer l'analyse sur, par exemple, la commune de Païta, on voit évidemment que le score indépendantiste est plus important près des tribus de Ndenyanuni, Saint-Laurent, Bangou, et un peu moins important dans les communes, quartiers plus centraux. On voit vraiment un contraste de la répartition du score indépendantiste. Et puis, évidemment, quelque chose qui est assez structurant aussi dans le vote dans les communes de Brousse, c'est la différence entre le vote qu'il peut y avoir entre le village, d'une part, ou un habitat qui est davantage constitué par de la population non kanak, et les tribus aux alentours, où là, le vote, pour le coup, où la population, évidemment, est davantage kanak, évidemment, et on a comparé ça, évidemment, aux résultats électoraux, eh bien, on se rend compte que, finalement, eh bien, on a, par exemple, là, sur la commune de Wegoa, on a un village où, aux trois quarts, quasiment, on vote non à l'indépendance, et les tribus aux alentours qui font pencher la balance pour voter quasiment exclusivement pour l'indépendance. On peut continuer encore l'exercice, on peut le faire pour toutes les communes, si vous voulez, moi j'ai le temps. Eh bien, pour la commune de Koné, je veux dire que le contraste est quand même assez saisissant. On a les tribus de la chaîne, de la Koné-Tiwaka, qui votent quasiment exclusivement pour l'indépendance, et puis on a des bureaux de vote du village, où là, par contre, le score est beaucoup plus en faveur plutôt du non à l'indépendance. Et on voit finalement, et ça c'est souvent quelque chose qui se passe lors des élections municipales, qu'on a un candidat non indépendantiste qui obtient la majorité au village, et on a un candidat indépendantiste qui obtient la majorité dans les tribus de la Koné-Tiwaka, et finalement c'est les tribus qui font pencher la balance pour que le maire soit un maire indépendantiste. Mais on voit vraiment un contraste spatial entre le village d'une part et les tribus de la Koné-Tiwaka. Et puis, également, un autre élément qui structure le vote en Nouvelle-Calédonie, c'est également
l'attachement, la reconnaissance que l'électorat peut avoir en une personnalité. Évidemment aussi par rapport à son positionnement géographique, par rapport à son clan. Et là, on le voit très bien dans cette carte-là. Donc c'est une carte de 2019 des élections provinciales à Puebo. Alors c'est une carte qui aurait peut-être été encore plus flagrante pour l'élection précédente, mais ce que je veux vous montrer là, c'est les résultats du Parti travailliste. Pourquoi je prends cet exemple? J'aurais pu en prendre un autre. Mais c'est que pour cette élection et pour les élections précédentes, le chef de file de cette élection, de ce parti, pardon, c'était Roque Douy, qui est originaire de Puebo, et qui est originaire plus précisément du sud de la commune. Et on voit sur cette carte que finalement, le score, hein, je le rappelle, du Parti travailliste à l'échelle de la province nord, c'est 3,3%. Le score, par exemple, dans ce bureau de vote, c'est 31,8%. Donc on voit bien finalement qu'il y a cette forme de proximité géographique, de cet attachement que l'électorat peut avoir avec un candidat sur lequel ils se sentent proches, sur lequel ils se sentent représentés, et pour lequel ils vont peut-être voter davantage. Parce qu'il y a souvent une phrase qui est répétée en matière de géographie électorale, c'est « on ne sait pas pour qui a voté notre voisin, parce que le vote est secret, mais pourtant on a voté comme lui ». Et souvent, ça s'explique aussi par le fait qu'il y ait ces proximités, donc comme je l'ai dit, géographiques, claniques, ou même par proximité avec ce candidat. Donc là, on voit bien sur cette commune, très précisément, un gradient peut-être nord-sud, finalement, ou sud-nord, dans lequel peut-être les bureaux de vote méridionaux ont donné plus de votes pour le Parti travailliste. Alors, je le disais, aux élections précédentes, cette tendance a été encore plus importante. Mais entre-temps, évidemment, il y a une dégradation du score du Parti travailliste. Mais très clairement, on voit la distinction entre ces bureaux de vote-là et ces bureaux de vote plutôt nord et même le bureau de vote de la mairie. Pour continuer d'illustrer mes propos sur cette proximité et cette reconnaissance que l'électorat peut avoir avec un candidat, et sur son appartenance géographique, sur son appartenance clanique, eh bien, j'ai pris l'exemple un peu plus en arrière, celui de Poindimier. Alors, vous le savez, donc là, il s'agit des élections provinciales de 2009, donc ça, on remonte un peu en arrière, mais les tendances sont les mêmes, hein, vous pouvez reprendre les élections, c'est toujours les mêmes choses. Eh bien, on constate sur cette carte-là la combinaison, finalement, de ce que j'ai pu vous dire précédemment. Le premier élément structurant, c'était la différence village-tribu. Donc là, on le voit très clairement, le vote non indépendantiste était majoritaire au village. Et le deuxième élément structurant, cet attachement finalement à la proximité géographique du candidat, eh bien on le voit, la tête de liste de l'UNI, par exemple, c'était Paul Néaoutin. C'est toujours Paul Néaoutin, évidemment. Donc de la vallée d'Amoa, et on constate que le score dans la vallée d'Amoa est quasiment de 3 électeurs sur 4. On continue un petit peu notre tour de la Nouvelle-Calédonie. Là, on part aux îles Loyauté. Et on se rend compte, évidemment, qu'on retombe encore dans les mêmes dynamiques. C'est-à-dire qu'on voit très clairement, même si le score non indépendantiste est minoritaire à OVA, on voit très clairement eh bien, que le score non indépendantiste au référendum était plus important dans le bureau de vote de la mairie, donc le village, mais également dans le district de Fayaoué. Inutile ou pas, de rappeler que, on va dire, une figure emblématique politique non indépendantiste de OVA est Simon Louécotte et qui provient du district de Fayaoué. Donc ce qui peut s'expliquer aujourd'hui par cette diffusion peut-être un peu plus importante proportionnellement à d'autres bureaux de vote de cette idéologie. On continue et on arrive bientôt à la fin de ce périple géographique. Eh bien, avec les résultats amarrés, parce que c'est quelque chose qui m'est semblé extrêmement intéressant, et là, pour le coup, qui apporte une dimension supplémentaire dans l'analyse, c'est le rôle que peut jouer parfois la structuration coutumière sur le vote. Et là, on le voit très clairement. Sur la première carte, il s'agit du vote non au référendum en 2020 sur l'île de Marais. Et la seconde carte, elle a été faite près de 11 ans avant, c'est le score du LKS, aux élections provinciales de 2009, donc LKS qui est devenu entre-temps Dynamique Autochtone. Pourquoi je vous parle de ce parti-là en particulier? Parce que le chef de file de ce parti-là, c'était Feu le grand chef Nidosh Neslin, donc le grand chef de Guama. Et très clairement, aujourd'hui, on voit que son positionnement coutumier a eu un rôle aujourd'hui dans le positionnement électoral du LKS, puis de Dynamique Autochtone. Très clairement, aujourd'hui, on voit que le contraste qu'il peut y avoir
dans la répartition des voix entre le district de Guama et les autres districts coutumiers de l'île de Marée. Et ce contraste-là, on le retrouve dans le deuxième référendum, parce que le parti dynamique autochtone a appelé à voter non sur ce référendum. Et on voit évidemment le contraste qu'il peut y avoir entre, par exemple, le district de Guama et d'autres districts, par exemple à La Roche, Penelo ou d'autres. Pour cette deuxième partie, donc là, on a vraiment essayé de faire un tour de piste géographique de l'ensemble de ces grandes tendances de vote. C'est s'interroger sur l'évolution du rapport de force depuis peu, ce qui est ce qu'on appelle en géopolitique les variables contemporaines. Alors évidemment, la grande nouveauté après cette succession d'élections provinciales qui ont montré une forme de stabilité, c'était donc le premier et le deuxième référendum. Je mets le troisième un petit peu à part parce qu'on l'évoquera dans une troisième partie. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, l'évolution entre le premier et le deuxième référendum, c'est, tout le monde le sait, le score indépendantiste a gagné 3,5 points entre le premier et le second référendum. On le voit aujourd'hui, dans l'ensemble des suffrages inscrits, donc ce n'est pas les suffrages exprimés, mais l'ensemble des suffrages inscrits, il y a une forte progression du vote indépendantiste, mais une stagnation du vote non indépendantiste proportionnellement, mais surtout une réduction de l'abstention. Et quand on voit ces graphiques, on peut dire assez basiquement, à une lecture assez rapide, finalement, eh bien qu'on a eu une diffusion, en tout cas une translation d'une certaine manière entre l'abstention d'une part et le vote indépendantiste. C'est quelque chose qui est important de comprendre et qui a été évoqué dans de nombreuses études scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, la progression du vote indépendantiste s'explique d'abord par une captation des abstentionnistes entre le premier et le deuxième référendum. Donc on a vu une vraie progression qui s'est effectuée à travers cette captation des abstentionnistes. Pour corroborer cette affirmation, il suffit juste de regarder les cartes. Et cette carte-là, par exemple, eh bien, on constate le résultat par commune. On retrouve finalement les mêmes tendances, mais on se rend compte finalement eh bien, que l'augmentation du nombre de noms, eh bien, elle concerne essentiellement les communes déjà traditionnellement non indépendantistes. Ils ont réussi à convaincre les convaincus d'une certaine manière. Et que l'augmentation du oui, c'est essentiellement porté sur les communes indépendantistes. Donc on voit, et peut-être qu'on le verra par la suite lors de cette conférence, qu'il y a une forme de resserrement finalement des tendances de vote. Ce que moi je peux, et ce qui a été étayé par l'étude notamment du CEVIPOF et du LARGE, c'est qu'il y a une forme aujourd'hui d'ethnicisation du vote par rapport à un resserrement du vote sur des considérations ethniques. Cette affirmation, on peut également la retrouver finalement à l'échelle des bureaux de vote en milieu urbain. Et sur cette carte-là, on se rend bien compte, qu'on retrouve ce que j'ai pu vous montrer au début de cette conférence, le cône nord-ouest un petit peu, toujours extrêmement bien modélisé, que ce soit sur cette carte sur les taux de participation, on voit vraiment une distinction, ou sur les résultats du vote indépendantiste. Quelque chose qui est aussi important à comprendre sur cette forme d'ethnicisation, c'est qu'il y a aujourd'hui, et c'est une donnée supplémentaire qu'on peut essayer d'apporter, on a dit qu'il y avait une captation plus importante des indépendantistes, des abstentionnistes. Eh bien, on voit à la lecture de cette carte et qu'il y a des quartiers, entre le premier et le second référendum, où on a eu un glissement, c'est-à-dire un recul du vote du non au profit du vote oui. Donc un recul qu'on peut voir évidemment dans ces quartiers-là, qui sont des quartiers essentiellement populaires, des quartiers kanak, en tout cas au plus océanien, avec également un recul du vote oui, mais dans les quartiers plus sud. Donc on voit qu'il y a un vrai resserrement du vote sur ces considérations-là. Et puis aussi une autre donnée qui m'a semblé importante de mettre en lumière ce soir, c'est que je me suis attelé à faire le recensement de l'ensemble des votes dans les différents bureaux de vote dans les tribus. Et on constate tout simplement qu'entre le premier et le second référendum,
Eh bien, le glissement dont je vous parlais dans ces fameux quartiers nord-ouest, on les retrouve également dans certaines tribus. Et dans ces tribus, on voit que le score indépendantiste, par exemple, entre le premier et le deuxième référendum, est passé de 89% à 92%. Mais surtout, et c'est ça qui est davantage flagrant, c'est la baisse, finalement, de presque 700 voix, 600, 700 voix, du score non indépendantiste dans les tribus. Et aujourd'hui, c'est une analyse géographique que l'on constate, mais, et je le rappelle, c'est important de pouvoir s'appuyer sur d'autres études scientifiques. Les études qui ont été faites, dont je parlais du CEVIPOF et du LARGE, ce sont des études scientifiques qui ont été faites à la sortie des urnes et qui disent la même chose, c'est qu'on n'a pas finalement, pour ce deuxième référendum, on a eu essentiellement un vote, une baisse du vote non indépendantiste dans la population kanak, mais également une baisse du vote non indépendantiste chez les kanaks. Donc on voit bien cette translation qui fait que, certes, il y a eu une progression du vote indépendantiste entre le premier et le second référendum. 3,5 points, c'est quand même quelque chose qui est considérable, mais c'est une tendance qui s'explique d'abord par une captation indépendantiste, par une captation des abstentionnistes, pardon, mais également par ce glissement. Alors, si on fait la somme, c'est assez difficile de faire cette somme-là, mais en tout cas, entre 1 000, 1 500 électeurs qui sont passés du non au oui. Et puis, quelque chose qui me semblait également important entre ces deux référendums, c'est surtout ce qu'on appelait la réserve de voix. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est important parce qu'on se dit, mais comment on peut encore évoluer? Est-ce qu'on n'est pas confronté finalement à une forme de plafond de verre du vote indépendantiste? Ou au final, est-ce qu'on va revenir un petit peu en arrière? Eh bien, à la lecture de ces cartes, là, on parle de 2018, eh bien, on m'avait interrogé sur les réserves de voix pour le second référendum, eh bien, c'est quand même assez facile de pouvoir dire que la réserve de voix, elle favorise davantage le camp indépendantiste à travers cette faible participation aux îles, mais également dans certains quartiers du Grand Nouméa, les fameux quartiers nord-ouest un peu de Nouméa, où il y avait aussi une faible participation, eh bien, c'était quand même pas compliqué de dire et que le réserve de voix était plus importante en milieu kanak et surtout en milieu indépendantiste. Eh bien là, vous voyez, entre ces deux cartes, on voit que la progression de la participation, elle a été globale, pas uniquement dans ces communes indépendantistes, mais j'ai envie de dire que la marge de manœuvre était peut-être plus importante dans les communes, ou en tout cas dans les quartiers, préférentiellement kanak et indépendantistes. Et c'est le sel un peu du troisième référendum, c'est qu'à la lecture de cette carte-là, on aurait pu imaginer, selon une évolution un petit peu constante, que finalement, eh bien, le camp indépendantiste avait encore des réserves de voix pour le troisième référendum. On le saura ou pas. Et finalement, un petit peu à la lumière de toutes ces cartes que j'ai pu vous présenter ce soir, et puis d'autres, la question de cette conférence, c'était de s'interroger, sur l'existence finalement d'une impasse. Finalement, est-ce que cette situation électorale extrêmement cristallisée, extrêmement constante, s'appuyant sur des considérations ethniques, avec un resserrement entre le premier et le second référendum, est-ce que finalement, et ça, c'est un terme peut-être qui pourra choquer certains d'entre vous, mais est-ce que ce n'est pas finalement un échec du pari sur l'intelligence, c'est-à-dire de pouvoir convaincre au-delà des barrières de leur propre camp, des barrières ethniques, de l'idéologie indépendantiste, mais également de l'idéologie non-indépendantiste. On constate tout simplement qu'aujourd'hui, l'idéologie non-indépendantiste chez les Kanaks est de plus en plus marginalisée, c'est ce que j'ai pu présenter sur les cartes précédentes, mais également le vote indépendantiste chez les populations non-kanaks était également en recul. Mais c'est finalement, et ce n'est pas si illogique que ça, dans la mesure où c'est ce couloir référendaire que l'on a traversé qui a peut-être forcé les uns et les autres à se resserrer finalement sur des positions antagonistes et bipolaires. Donc finalement, ces deux premiers référendums, ils ont servi finalement à scinder en deux, sur des considérations ethniques, comme j'ai pu le dire, l'électorat calédonien. Alors, pour terminer cette présentation, je me suis un petit peu intéressé au troisième référendum. Pourquoi ?
parce que beaucoup ont dit qu'il était inanalysable, qu'il était inutile. Certains partis politiques ont utilisé l'expression de référendum bidon. Eh bien, en tant que chercheur, ce qui, moi, m'a semblé intéressant, c'est que finalement, on aurait pu penser que ce référendum-là aurait été un référendum, finalement, qui aurait mis fin à la bipolarité. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est qu'au final, on constate sur cette répartition de l'abstention, eh bien, on retrouve les fameuses cartes que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent, à savoir une abstention qui a été essentiellement portée par les partis indépendantistes. Et on le voit sur cette carte-là. Les communes où on s'est le moins abstenu, c'est les communes plutôt traditionnellement non indépendantistes. Et les communes où on s'est le plus abstenu, ce sont les communes, les fiefs plutôt indépendantistes. Donc on le voit assez facilement sur cette carte-là, et on le verra encore plus sur la carte suivante. C'est que finalement, ce qui s'est passé, c'est que le vote non indépendantiste s'est maintenu, en tout cas sur la partie, sur leur fief, la côte ouest de la province sud. En revanche, le vote non a reculé dans les communes traditionnellement indépendantistes. Alors je ne suis pas là ce soir à tenter de savoir pourquoi ce vote a reculé. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cet appel à l'abstention, il a bien porté bien au-delà des frontières indépendantistes ou non indépendantistes. On voit que cette abstention, elle s'est diffusée bien au-delà. En revanche, on voit qu'on retrouve cette forme de bipolarité indépendantiste, non indépendantiste. Mais il y a quelque chose qui me semble important de rajouter. Il y a quelque chose qui me semble important de rajouter, c'est que aujourd'hui, à la lecture de cette carte, il est périlleux de faire, en tout cas périlleux, oui, mais de faire l'amalgame entre l'abstention et la progression du vote indépendantiste. Aujourd'hui, l'abstention n'est pas le seul apanage des indépendantistes. Pourquoi? Déjà parce que, premièrement, je me méfie des interprétations un peu qui peuvent y avoir après un référendum sur les motivations ou les non-motivations des abstentionnistes. Parler à la place de personnes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quelles sont leurs motivations ou pas. C'est toujours périlleux. Ça, je laisse évidemment le soin aux partis politiques de se positionner en expliquant que c'est des pressions ou, à l'inverse, qu'il s'agit d'une vraie mobilisation et un soutien au mouvement indépendantiste. Je pense que les deux lectures sont biaisées. Aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir récupérer politiquement cette question de l'abstention. Évidemment, juste pour pouvoir corroborer un petit peu l'appel finalement à la non-participation des partis indépendantistes, on constate à l'échelle des bureaux de vote que cet appel à la non-participation a eu un écho particulier dans les bureaux de vote traditionnellement indépendantistes, traditionnellement kanak, populaires, ouvriers. Donc finalement, ça c'est un graphique que j'ai réalisé en croisant d'une part l'abstention au référendum et également en ordonnée le vote indépendantiste au deuxième référendum. Et on voit bien, à travers la ligne rouge, hein, la ligne rouge, c'est assez simple, c'est une corrélation parfaite. Eh bien, la quasi-totalité des communes, elles se situent au-dessus de cette ligne rouge. Et la différence qu'il peut y avoir entre la ligne rouge et les communes, c'est tout simplement, eh bien, la différence entre, d'un côté, l'électorat indépendantiste, qui s'est traditionnellement abstenu, mais également l'électorat peut-être non indépendantiste, qui s'est également abstenu. En partie. Malgré tout, on voit que le niveau de corrélation est assez important sur ces deux valeurs. Pour conclure, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'était surtout de dire que, et je crois que aujourd'hui, je veux pas être dans un constat assez sombre. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, la situation, elle est quand même assez délicate. Alors, pour ceux que je n'ai pas perdu en route lors de cette conférence, peut-être que vous vous souvenez, mais j'ai commencé cette conférence en utilisant les termes qui sont souvent utilisés avant chaque prise de parole en milieu kanak, respect et humilité. Et après ce constat assez peu réjouissant, tel Cassandre un peu dans l'Iliade, eh bien,
aujourd'hui, je vous ai montré à travers ces différentes cartes qu'il existe un risque d'impasse. Et certains seront peut-être tentés de me poser la question, et maintenant on fait quoi face à cette impasse où on a un resserrement du vote sur des considérations ethniques? Eh bien, je vous dirais tout simplement que le respect et l'humilité, aujourd'hui, m'exigent de ma part de ne pas m'improviser en 10 heures de bonne aventure. Je ne vais pas vous dire ce qui va se passer demain, et je ne vais pas me prononcer non plus en faveur de tel ou tel projet d'avenir institutionnel. Parce que ce n'est pas le rôle du géographe, je laisse volontiers le rôle de cette innovation institutionnelle plutôt aux juristes. Mais surtout, c'est qu'en tant que géographe, je n'ai pas aussi la prétention de vous inculquer finalement la bonne parole. Et puis, ce que moi, en tout cas, j'essaye de ménager le plus possible, c'est de pouvoir rester dans ma présentation et dans les chiffres qui sont tangibles. Et c'est de rester avec une certaine forme de neutralité. Alors, mon but ce soir, ce n'est pas de botter en touche. Mon but ce soir, c'est peut-être de rappeler des principes assez simples. Et le premier principe, selon moi, la base, c'est avant tout l'espoir. L'espoir d'une génération comme la mienne, celle des accords, de Matignon, eh bien de ne pas connaître autre chose que la paix, comme c'est le cas depuis une trentaine d'années. Et pour cela, je ne vois pas, à mon modeste petit niveau, autre chose que la nécessité aujourd'hui des uns et des autres de pouvoir renouer les fils du dialogue. Parce qu'aujourd'hui, malgré des positions qui semblent antagonistes entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, refaire un référendum, faire appel à l'ONU, maintenir la situation coûte que coûte, ne pas discuter, je crois que ça peut paraître une évidence, mais je crois que la seule chose qui permettrait à la Nouvelle-Calédonie de sortir de cette impasse, de cette situation d'échec, ça serait de pouvoir retrouver le chemin du dialogue. Alors évidemment, quand on dit ça, eh bien, le terme « humilité » que j'ai pu m'approprier d'une certaine manière pour vous faire cette présentation, eh bien, je crois que pour certains élus, il faudra en faire preuve, parce que je ne vois pas très sincèrement comment on pourra sortir de cette situation avec un vote extrêmement cristallisé, bipolaire, comment on pourra sortir finalement de cette situation où chacun campe sur ses positions sans passer par le chemin du dialogue. Alors, peut-être que certains l'ont vu, mais dans l'interview que j'ai donnée hier aux Nouvelles-Calédoniennes, j'ai parlé, je l'ai dit tout à l'heure, mais d'un échec du pari sur l'intelligence. Ce n'est pas que nos responsables politiques ne sont pas intelligents ou que les électeurs ne sont pas intelligents, je pense bien le contraire. Mais je dirais plutôt qu'aujourd'hui, on se situe dans une position où on a eu 30 ans quand même pour pouvoir essayer d'aller dans un sens ou dans l'autre. Et le constat, au bout de 30 ans, ben, déjà le premier constat, et qui peut être une forme d'impasse, le constat, c'est qu'on a eu un référendum qui a été remporté par plus de 96%. On n'est quand même pas dans une dictature de certains pays. Pour moi, aujourd'hui, cette situation-là, elle est quand même significative d'une forme d'impasse. Tout ça pour dire, c'est qu'aujourd'hui, face à des logiques qui semblent irréconciliables, des uns qui se sentent légitimes avec ce résultat électoral et d'autres qui se disent « non, ce résultat n'est pas légitime », je ne vois pas, encore une fois, je me répète, mais d'autres chemins que celui du dialogue. Et puis également, on s'attend à voir finalement l'opposition de deux propositions, un référendum de projet, comme c'est prévu par l'État, et un troisième nouveau référendum, comme c'est proposé par certains candidats à la présidentielle, mais également certains partis politiques ici. Mais moi, je vous interroge sur si on repart sur un référendum de projet et si certains présentent finalement deux projets distincts, un projet plus indépendantiste, l'autre un projet plutôt non indépendantiste, eh bien, finalement, ça, on aura encore échoué puisque ça sera finalement sous couvert de l'intitulé référendum de projet, ça sera finalement encore un nouveau référendum pour ou contre l'indépendance. Donc je pense que personne n'a intérêt à ce qu'on reparte sur ce type de choses. Et puis, le troisième nouveau référendum, ça serait aussi ne pas oublier qu'on est encore sur des bases ethniques et qu'on n'arrivera pas à convaincre l'autre moitié de la population. On n'arrivera pas finalement à déperméabiliser d'une certaine manière les électorats de part et d'autre. Donc forcément, et puis c'est une phrase d'Einstein que je trouve assez juste, la folie finalement c'est de répéter les mêmes choses pour espérer d'autres conséquences.
Et forcément, quand on répète les mêmes élections, avec les mêmes électeurs, avec les mêmes questions et le même antagonisme, on arrive au même résultat. Et juste un petit élément également qui me semble important, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, le fait majoritaire ne s'est jamais imposé. Et que même si aujourd'hui, il y a un camp politique qui arrive à atteindre à ce référendum de projet ou à ce troisième référendum les 50%, eh bien, est-ce que ça serait une victoire pour autant ? Est-ce que ça ne serait pas, pour reprendre une expression un peu grecque, une victoire à la Pyrrhus ? Une victoire où il y aurait tellement, elle aurait été obtenue tellement au forceps que finalement, il n'y aurait pas véritablement de vainqueur d'une moitié face à l'autre moitié de la population. Alors, j'ai espoir aujourd'hui, et là c'est plutôt ma partie citoyenne qui s'exprime, j'ai espoir qu'il y ait des discussions aujourd'hui qui puissent enfin nous faire sortir de ce paradigme binaire et qui dure, je le rappelle quand même, depuis de longues décennies. Ça ne date pas d'hier, hein, cette bipolarité, là je parle sous couvert de Robert Bertram, date quand même depuis plus de 40 ans, même davantage. Hein. Eh bien aujourd'hui, quel sera ce nouveau logiciel qui nous permettra de sortir finalement de cette issue ? Alors évidemment, je ne pouvais pas parler de ces perspectives sans m'interroger sur l'existence d'une troisième voie, sur cette troisième voie. Mais aujourd'hui, on voit que la frontière est assez fine entre les deux et que cette troisième voie fait plus figure, d'une certaine manière, un petit peu de chemin de crête, où finalement, ça serait difficile pour les uns et les autres de se positionner. Et puis, électoralement parlant, puisqu'il faut être un petit peu faire appel à la réelle politique d'une certaine manière, eh bien, dès qu'on se positionne sur cette troisième voie, eh bien, à l'élection suivante, on se fait sanctionner par l'électorat. Parce que ce resserrement-là a eu également comme conséquence, finalement, d'empêcher finalement l'émergence de cette troisième voie. Alors évidemment, entre-temps, à l'élection provinciale de 2019, il y a eu le parti Éveil océanien qui aujourd'hui fait la bascule, enfin peut permettre de faire la bascule entre le camp indépendantiste et non-indépendantiste. Mais est-ce qu'on parlerait de troisième voie s'il n'y avait pas ce rapport arithmétique, s'il ne permettait pas de gagner cette majorité ? Donc aujourd'hui, cette troisième voie, elle est importante dans les discussions qui devront être menées, non pas pour pouvoir dire on refuse l'indépendance ou on refuse la non-indépendance, mais ça sera peut-être, et c'est là je fais appel au terme d'humilité que j'évoquais au début de conférence, peut-être avoir des élus qui auront l'humilité de ne pas avoir de prérequis sur les discussions à venir et sur les perspectives à négocier dans le cadre d'un accord ou d'autres. Et puis, quelque chose qui m'est semblé également important, et c'est la dernière question de cette conférence, c'est aujourd'hui m'interroger sur l'évolution de la participation que j'ai pu vous présenter tout à l'heure. Le contraste, il est saisissant aujourd'hui, c'est qu'on a des élections provinciales, on a des élections locales, où on a de plus en plus une participation qui baisse. C'est-à-dire qu'on a une forme finalement de désintérêt d'une partie de la population, de nos élections, et pour le coup, des partis qui incarnent ces élections. La question sur laquelle je m'interroge, c'est de me dire, mais finalement, est-ce que quand on voit les taux exceptionnellement faibles de participation des jeunes, notamment aux élections, est-ce que finalement, il n'y a pas un fossé qui se creuse entre l'expression des partis et finalement cette politisation des jeunes ? C'est une question évidemment qu'on peut se poser. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, hein, vous avez peut-être lu certains articles que j'ai publiés, il y a quand même une forme de conservatisme au niveau du renouvellement générationnel dans nos élus. Et puis également parler de la question des femmes aujourd'hui en politique, qui est une question importante, à l'heure où notre gouvernement ne compte qu'une seule femme. Je pense qu'il est aussi important de pouvoir apporter du sang frais. Un élu que j'avais interrogé dans le cadre de mes recherches m'avait parlé... d'une tendance un petit peu à la consanguinité. Alors le terme m'avait un petit peu choqué, mais en m'expliquant que finalement, en ne renouvelant pas le sang politique, d'une certaine manière, on était condamné finalement à répéter les erreurs un peu du passé. Alors là, ne vous trompez pas, je ne suis pas là à vous faire la promotion du jeunisme et puis du féminisme exacerbé, mais très clairement, il faut s'interroger sur peut-être un changement dans le logiciel qu'on utilise. Et peut-être que les jeunes et les femmes peuvent être des données intéressantes sur ce changement de paradigme. Et puis,
Également, et ça sera peut-être le mot de la fin, mais c'est une proposition qui est faite par le professeur Melun-Soukramanien, peut-être réfléchir aussi à redonner la parole à la population, peut-être un peu plus directement, à travers également peut-être une démarche un peu plus participative. Mais là aussi, la question c'est comment on le met en place pour qu'on puisse avoir une vraie participation. Parce que si on répète finalement avec cette démarche participative les clivages indépendantistes-non-indépendantistes, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Pardon. Alors, j'étais déjà à la dernière diapo. Non, juste, excusez-moi, merci pour les applaudissements, mais juste ce que je peux vous dire aujourd'hui, même si cette présentation a pu vous paraître un peu longue, il s'agit surtout d'une synthèse, d'une démarche de recherche qui s'appuie sur plusieurs dizaines d'articles, d'actes de colloque, de chapitres d'ouvrages. Et vous pouvez retrouver toute cette liste un petit peu de mes publications sur le site du LARJ, mon laboratoire. Et en parallèle, c'est les icônes un petit peu que j'ai pu positionner sur cette diapositive. Je contribue sur les réseaux sociaux, donc Facebook, sur la page géopolitique en Nouvelle-Calédonie, ainsi que sur Twitter et LinkedIn, où j'essaye de démocratiser un petit peu la recherche scientifique. Donc moi, bien évidemment, à travers ces supports-là, je reste à votre disposition pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager également ce que je recherche. Et puis, en attendant, je vous remercie à tous pour votre attention et pour votre intérêt pour cette thématique. Je reste bien entendu, et c'est avec une joie non dissimulée, à votre disposition pour tenter de répondre à vos questions et à vos interrogations. Merci et au laitier à Charwatch.